Voici qu'il gèle à pierre fendre sur les chemins, et nous pauvres devons descendre de bon matin. Voilà, c'est tout. Ce qui était intéressant, c'est que c'est vraiment le désir d'une comédienne à la base, et surtout son désir intime face à une œuvre, ce roman colossal qui était un peu son livre de chevet. Demander à Dieu un coup de main pour être épouse modèle! Et puis quelle drôle d'idée! Quelle imbécilité de vouloir introduire ce... cette... Non mais est-ce qu'il y a vraiment des idiotes qui aiment cette horreur? Ariane, qui est entre guillemets mal mariée et qui est voilà, malheureuse, seule, dans un couple qui fonctionne très mal, fait la rencontre de Solal. Dans les romans, ils devraient en parler plus clairement. Ils disent des baisers ardents, etc. Mais jamais en expliquant le mode d'emploi. Moi, j'aurais jamais pensé que ça existait, ce procédé. Je croyais lèvres contre lèvres et puis c'est tout. Eh bien non! On ouvre la bouche! Se raconte en fait à elle-même comme on pourrait nous se retrouver des fois dans une salle de bain à se parler dans la glace, à dire des conneries. Elle invente des personnages imaginaires, il y a toute une fiction qui se crée, mais et finalement le public est inclus là-dedans et est autant témoin finalement comme dans un gros plan de cinéma. Ah, sapristi ! Bien la peine d'avoir eu un tas de pasteurs dans la famille !